Coucou quelqu'un, coucou Jérôme, coucou Amélia, coucou Stella, coucou Elsa, coucou Makissa, coucou Kérina, coucou Elona, coucou Christine, coucou Benoît, coucou Cyrine, coucou Chen, coucou Marion, coucou Lily Sushi Oh punaise, aujourd'hui je dois vous offrir des subs, je viens de m'en rendre compte, j'aurais dû mettre ça dans le titre en plus <laughs> Coucou tout le monde, comment vous allez Je suis super contente de vous retrouver, euh, franchement là depuis dimanche on a live un jour sur deux on a live dimanche, on a live mardi, et puis on live aujourd'hui, jeudi. Ça fait beaucoup coucou Laura, merci beaucoup d'être là. Coucou Belinda, coucou e mystère coucou Cassandre. Eh ben écoutez, euh, j'ai un petit peu à vous parler, mais juste avant que je vous parle, je vais quand même vous faire le sondage, comme ça vous pouvez voter en même temps que, euh, que je vous papote un petit peu. Et coucou les gens sur TikTok, le son est bien, tout va bien. Coucou Katitika, coucou Juliette, coucou euh, Zaina, merci beaucoup d'être là. Coucou tout le monde. Alors alors. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse aujourd'hui Sachant, je vais vous expliquer, mais qu'on arrêtera le live à 19h30. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on fait la rénovation des mondes On continue. Est-ce qu'on fait autre chose C'est vous qui me proposez. D'accord Et je vous fais un petit sondage. Tu me fais peur. <laughs> non, faut pas avoir peur, Marie. Moi, quand je vous parle en général, je vous parle à cœur ouvert, euh, mais c'est en général jamais euh, très grave quoi. Alors. Ah oui, on est 250 et c'est le titre, j'ai besoin de vous parler. Les gens sont curieux. <laughs> Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Alors, Ugly to Beauty, d'accord. Ça se voit peut-être que ma tête est un peu fatiguée. Quoi d'autre, quoi d'autre Lilou, le Let's Play Lilou. Let's Play Lilou. OK, rénovation des mondes. Rénovation des mondes et regardez vos rénovations. à vous. Regardez les rénaux des abonnés. Ok, je vous laisse voter pour le sondage et comme ça je vais pouvoir vous raconter euh, un petit peu parce que j'avais envie de vous euh, partager. Alors, <laughs> je pense que ça s'est peut-être vu. Hein, euh, dernièrement j'ai eu un rythme de vidéos qui était assez poussé. Euh, j'ai sorti 5 vidéos deux semaines de suite. Ce qui est... Euh, non, quatre vidéos deux semaines de suite au lieu de trois. Et euh, là, on a fait euh, pas mal de live, sachant que c'est sur un jeu d'horreur. Moi, c'est, ça me fait un peu peur, mais bon, c'est mon gage et tout, puis ça me fait plaisir, je passe des bons moments. Mais en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, même, j'ai commencé à bien m'en rendre compte euh, hier, parce que je vous avais pas parlé hier. Non, hier, c'était mercredi. Bah oui, je pouvais pas vous en parler, on n'a pas live. Mais, en fait, je m'en suis vraiment rendu compte hier, je suis très fatiguée. À un stade de fatigue où euh, j'ai oublié de. <laughs> De prendre quelque chose de très important pour moi, ce qui a fait que j'étais pas bien du tout après. Euh, maux de tête, euh, mal au ventre, etc. Douleur au dos. Euh, je dors très très mal. Je suis éclataxe. Et en fait, je me suis bien rendu compte qu'on a fait 5 heures de live dimanche, 3 heures de live mardi, plus moi sortir mes 3 vidéos et mes shorts. Sachant en plus que euh, la vidéo de mercredi m'a pris plus de 15 heures de travail. En général, pour mes vidéos, que ce soit Let's Play, Challenge, etc., ça varie entre 5 heures de travail en comptant euh, la préparation, le tournage, le montage environ. Donc entre 5 heures et 7 heures de travail par vidéo. Et là, c'est vrai que plus de 15 heures sur une seule vidéo, euh, surtout que c'est une vidéo qui pour moi était très stressante parce que quand tu travailles autant sur une vidéo, tu espères forcément... Merci beaucoup Aurore, merci infiniment pour être membre depuis 9 mois, coucou, repose-toi, bien bisous. Merci Aurore. Donc je disais euh, quand en fait tu travailles autant sur une vidéo, tu as envie forcément qu'elle fonctionne, qu'elle plaise, etc. Alors euh, déjà je voulais vous dire merci pour tous les retours que vous avez fait sur la vidéo d'hier parce que il bah, y a quand même beaucoup de commentaires malgré les vues qui sont en baisse sur ma chaîne. Il euh, y a quand même beaucoup de commentaires, donc merci infiniment, voilà. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps à faire cette vidéo, à la travailler, à l'écrire, à la tourner, à la monter. C'était important pour moi, j'avais envie de la faire. Je me suis dit écoute, ça marche, ça marche pas. C'est comme ça. Mais par contre, lui, mon corps, <laughs> eh ben, lui, il m'a dit euh, non, pas top. Donc euh, là, je vous avoue qu'aujourd'hui, on va faire une heure et demie de live, pas plus, parce que je sens que je pourrais pas tenir. Déjà là, en fait, je me suis dit, est-ce que je live ou pas Pour vous dire, il y a encore, il y a combien de temps Il y a encore 45 minutes, j'étais dans mon lit, en train de, bah, de dormir, parce que j'en pouvais plus. J'étais épuisée. <laughs> Donc voilà. Mais je me suis dit non, Conju, t'adores tes abonnés, t'as envie de live. Live avec eux n'annule pas, surtout qu'en plus dimanche je ne suis pas chez moi, donc euh, je pourrais pas live dimanche, et donc je me suis dit je live quand même. Mais donc, ce qui explique pourquoi on va faire qu'une heure et demie live et pas deux heures. Euh, je voulais aussi donc vous parler, j'ai, avant euh, qu'on soit en live et avant d'aller dormir parce que j'étais trop fatiguée, travaillé pour l'épisode 3 de L'Amour et Orange, mon let's play télé-réalité qui sort tous les lundis. A savoir que les statistiques, hein, forcément des vidéos, euh, j'aime pas trop me concentrer là-dessus, mais... Je suis pas juste YouTubeuse par passion, je suis YouTubeuse par métier, par nécessité pour en vivre. Maintenant j'en vis, c'est mon travail. Et euh, comme euh, les vues en fait de ce let's play ne marchent pas très bien, pourtant vous êtes assez réactifs, il y a pas mal de likes et de commentaires, mais les vues elles, euh, bah pas top. Et malheureusement les commentaires et les likes ça rapporte pas d'argent sur YouTube. Franchement euh, YouTube vous voulez pas rémunérer les commentaires de mes abonnés Non mais parce qu'ils sont super actifs, j'ai une communauté incroyable. Hein mais bon ça c'est un autre débat. Mais donc, comme les vues chutent énormément, de base, je pensais faire 5 épisodes de ce Let's Play. Je me suis dit, waouh, écoute, on va passer à 4. Là, je suis toujours vers les 4, on va dire, mais j'avoue que ça va vraiment dépendre euh, de comment je vois euh, pour l'épisode 3, parce qu'en plus, pour l'épisode 3 petit spoil alerte parce que j'ai vu vos réclamations sur les commentaires que vous trouvez que c'était triste pour raquel euh, par rapport à Melinda, etc. Si vous n'avez pas vu je veux pas trop vous spoil mais il va y avoir deux nouveaux candidats qui vont rentrer dans le ranch donc ça va pouvoir remettre un petit peu euh, les, les cartes sur les tables non remettre quelque chose en jeu je sais plus trop ce que c'est le terme là euh, fatigué ok mais donc voilà donc, euh, pour forcément introduire ces personnages, je vous fais un machinima qui me demande du temps, j'ai créé les personnages, patati, patata... Bref, forcément, ça demande beaucoup de travail. Je me suis dit, est-ce que je fais ça, euh, je fais donc tout ce travail et ces heures de travail pour mes abonnés et par passion, et est-ce que ça ça, ça me suffit, tu vois, entre guillemets Et malheureusement, à YouTube, lui, il me... Tu vois, il me... Pam, En ce moment-là, ouais, c'est... <laughs> Depuis deux semaines, c'est un peu la dèche, là, avec YouTube. Euh, et c'est pas facile, franchement, c'est pas facile. En plus, moi, je cherche à déménager. Donc euh, ça, c'est une petite annonce que je vous fais. Euh, avec mon chéri, on cherche à déménager, à, à emmé emménager ensemble. Donc euh, le, le truc, c'est que forcément, bah, tu dois avoir un revenu plus ou moins stable pour les agences, pour les propriétaires, etc. Sachant en plus que moi, déjà que je suis youtubeuse, enfin bref, il y a mon chéri. Donc heureusement, ça aide, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as un revenu qui est... Brrr, et surtout comme ça en ce moment avec YouTube, forcément c'est un peu compliqué, tu vois, à faire passer ton dossier aux agences. Donc, euh, coucou euh, Léa Lévy. Donc, en gros, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je, je déprime pas mal. Je vous en parle pas trop. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien qu'on joue à un autre jeu que les Sims, qu'on joue à un jeu d'horreur. En vrai, même si, franchement, j'ai trop peur, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a sorti un petit peu... Euh, bah de cette spirale un peu infernale, en fait, où tu es en mode, euh, bah dès que tu vas sur YouTube Studio, tu vois les stats qui sont parce que tu as des flèches vers le bas. Avant, les flèches étaient rouges, maintenant les flèches sont grises. Même si elles sont toujours vers le bas, elles sont grises. Au moins, YouTube a pensé à faire ça pour que ce soit un petit peu moins violent pour les, les YouTubeurs. Euh, mais donc, ouais, là, je me suis dit, écoute, je commence à en avoir un peu euh, râle pompon, mon corps, il me le dit, parce que, en fait, quand tu te donnes à fond et que tu taffes 60, 65 heures par semaine, mais qu'au final, tu as le résultat escompté, bah, ça va. Ça va, ton corps, il arrive à gérer. Mais en fait, quand tu taffes autant, sachant que normalement, euh, c'est 35 heures, si hein, je ne me trompe pas, parce si ça a augmenté ou diminué, je sais pas, mais en général, la, la plupart de la population travaille en moyenne 35 heures par semaine. Bon, beaucoup d'auto-entrepreneurs, de, de, pas forcément youtubeurs, hein, mais juste des auto-entrepreneurs qui ont leur en entreprise, hein, travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine. Ça déjà, juste le statut d'auto-entrepreneur ou même de chef d'entreprise, des fois, travaille beaucoup plus que ça. Et donc, vous comprenez que, si vous êtes dans le même cas que moi, vous comprenez que quand tu travailles autant et qu'en fait, t'es pas rémunéré, eh ben ça fait mal au popotin. Voilà, ça fait mal au popotin. Merci vous êtes vraiment adorables les gens en commentaire. Donc ouais, franchement, euh, je me suis dit là, là mon ratio, je suis en dessous du SMIC. Donc euh, quand ton ratio horaire, il est, il est en, bien en dessous du SMIC. Euh, genre ma vidéo là de d'hier, à part si elle euh, perce un jour sans que je sache, elle va clairement pas me rapporter 150 euros, sachant que le SMIC c'est beaucoup plus maintenant que juste 10 euros par mois, c'est un peu plus. Et donc euh, je sais qu'elle va pas du tout me rapporter 150 euros cette vidéo-là. Et sachant en plus que faut toujours pas oublier que quand t'es euh, auto-entrepreneur, t'as pas 150 euros dans ta poche, t'enlèves 23%. Oui, à chaque fois. Donc voilà, tout ça, ça a fait que j'étais un peu dans une spirale un, un petit peu de, de déprime, de tristesse. Euh, mon corps, là, il m'a vachement dit euh, écoute, t'es fatiguée de ouf, parce qu'en plus, ben, je mange pas super bien. Quand euh, t'es à fond dans le travail, t'as pas forcément le temps de manger, de prendre soin de toi, de faire du sport. Là, ça fait plus d'une semaine euh, que j'ai pas fait de sport. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis... Je suis bof bof en ce moment, après je vous remercie quand même pour tous les messages, tous les commentaires que vous avez mis, c'était très 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 gentil. Merci Sélé, pas de problème, ok. Pour tous les commentaires que vous avez mis, pour euh, toutes vos réactions sur mes vidéos, vos likes, parce que ça me soutient beaucoup. Et mine de rien, les commentaires et les likes, ça permet quand même au référencement de, des vidéos. Après, est-ce que euh, Youtube euh, les met en avant ou pas, ça c'est eux qui décident. Moi maintenant, j'ai pas non plus envie de me prendre la tête sur ça. Donc voilà, mais c'est pour ça que y a moyen que l'amour est orange se termine en trois épisodes. J'aimerais quand même faire quatre épisodes. Après, ça, ça va dépendre, franchement. Mais il y a moyen que l'épisode 3 soit un épisode très condensé, un long épisode. Il y a moyen que l'épisode fasse même 48 minutes s'il faut, un très long épisode. Mais peut-être que je terminerai euh, ce let's play euh, Eh bien en, en, en trois épisodes. Et après, je vais partir, euh, je vais repartir un petit peu sur ce qui pour moi est plus léger en termes de travail, de charge mentale, et qui a l'air, à chaque année que je le fais, de rebooster la chaîne et de vous plaire. Sans bien sûr oublier le legacy, le legacy est toujours là tous les vendredis, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, attention, le legacy de demain, pépite ce qui se passe dans l'épisode. Franchement, là, je vous ai réservé des trucs. Mais les deux autres vidéos de la semaine, ça va être consacré à des challenges construction, euh, des créations, euh, des jurés de aux maisons, des choses comme ça en fait, qui sont des vidéos un petit peu moins euh, lourdes mentalement pour moi. Parce qu'en fait, quand tu fais des machinima, etc., euh, c'est beaucoup plus lourd, ça prend beaucoup plus de temps au montage, à la création, même quand tu écris le script et tout. Et je me dis, écoute, quitte à ce que là en ce moment je ne sois pas au top, autant faire des vidéos qui pour moi m'amusent plus. Parce que c'est amusant, hein, mais c'est une grosse charge de travail quand même euh, de faire des let's play avec des machinima. Donc voilà, je vous préviens, il y a moyen que l'épisode 3, à part si l'épisode 3 euh, est euh, 2 ou 3 sur 10, je sais qu'il ne sera jamais 1 sur 10, mais imaginons il est 2 ou 3 sur 10 dans mon YouTube studio, vas-y je peux faire un épisode 4. Mais je pense sincèrement qu'il ne le sera pas, donc je préfère vous prévenir. Voilà. Et vous êtes adorables, merci beaucoup pour vos, tous vos amours. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'épisodes, mais le plus important c'est ta santé. Bah c'est ça en fait, mais c'est le truc, c'est que tu vas pas... Comment dire je ne sais pas trop quelle. C'est Rénovation des Mondes qui gagne à 31%. Je vais lancer le jeu, on va aller là-dessus. En même temps, je continue de vous parler. En fait, tu vas pas, toi, je ne sais pas quel est ton travail, mais imagine euh, ton patron, si tu as un patron, il te dit euh, Oui, euh, j'aimerais que tu travailles euh, tous les soirs jusqu'à 23h minuit, mais je ne te paye pas. Normalement, tu finis à 19h, imaginons. Et puis, euh, ton patron, il te dit euh, Ouais, là, pendant trois jours, j'ai besoin que tu travailles jusqu'à 23h minuit. Par contre, tu ne seras pas payé. Bon. Qu'est-ce que tu fais, tu vois Si tu aimes énormément ton travail, euh, que tu comprends que c'est important pour la boîte ou quoi, peut-être que tu serais tenté euh, de faire ces heures supplémentaires. Mais tu n'es pas payé Bon, et ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mon let's play, mon histoire. Malheureusement, c'est des heures. Très clairement, qui ne sont pas du tout rémunérés, on ne va pas se le cacher. Quand tu fais moins de 10 000 vues, la, la vidéo, elle te rapporte que dalle, en fait. Tu n'es même pas à la moitié du SMIC par heure. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Mais euh, c'est ça. Tu es, es, en fait, dans le truc de... Est-ce que tu continues Mais ça veut juste dire que ton chiffre d'affaires, à la fin du mois, il est super bas. Et est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer Est-ce que tu vas pouvoir payer ta nourriture Est-ce que tu vas pouvoir gérer ton dossier de locataire pour trouver un appartement Bref tu vois, toutes ces petites choses-là qui rentrent en compte forcément et euh, qui font qu'il bah, faut faire des choix. Même si on est passionné par ce qu'on fait, souvent faut faire des choix pour sa santé mentale et pour le bien aussi bah, de son entreprise, de, de, de ses besoins et tout. Quoi. Donc voilà, pour te répondre. Merci, tout le monde est adorable. Donc on va faire la réno des mondes. C'est parti, je me mets en over les jeux. D'ailleurs, je vais réactiver le goal membre. Et eh bien écoutez, le prochain goal membre, on fait quoi 200 c'est beaucoup quand même. Mais en vrai, ce serait dingue si on arrivait à 200. Il y a moyen, on peut se dire, allez, 200, euh, mais dans plusieurs mois, tu vois. Mais ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez Franchement, le gaulemand des 200. Moi, ça me tend très bien. Alors je crois qu'on avait terminé cette maison, non On l'a fini, la rose sauvage. Oui, oui, on l'avait fini, on l'avait fini. Ouh Est-ce qu'on ferait pas, au lieu de faire une maison, un petit terrain communautaire on a musée municipal. Euh, attends, on a un musée, une boîte de nuit, une salle de sport et une bibliothèque. bah eh ben vous savez quoi Je vous fais un sondage sur ça. Ouais, 200 Ok, on va faire ça. Alors, je, alors, je vous fais un sondage déjà. Est-ce que vous voyez le jeu ou pas Je crois que vous voyez pas le jeu. Alors, attendez. Pourquoi vous voyez pas le jeu Parce que c'était sur The Devil Enemy. Voilà. Donc, on rénove quoi nous avons donc un musée, nous avons une bibliothèque, nous avons euh, une salle de sport et nous avons une boîte de nuit. Je crois que c'est ça, hein, c'est boîte de nuit. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ouais boîte de nuit. Ah, une boîte de nuit. Merci beaucoup Ilam pour être devenu membre, merci infiniment. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu as accès maintenant à des informations en avant-première dans l'onglet Communauté de la chaîne. Tu as accès à 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Tu as euh, un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Et une fois par mois, tu as un super chat gratuit. Ah oh, mais je dois vous offrir les subs Eh oui Je dois vous offrir 10 subs Ben on va faire ça. On va faire ça. Écoutez, pendant que vous votez, je vais vous offrir les subs. C'est chouette. Ah, attendez, je crois que ma caméra, par contre, il faut que je la change. Hop. parce que quand on était en jeu d'horreur, je jouais un petit peu plus loin vu que j'étais avec la manette. Voilà, là ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Oui, il faut que je vous offre. Alors, déjà, on va juste modifier le goal membre. Alors, je vais quand même aller checker sur YouTube ce qu'ils me disent, genre j'ai combien de membres Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas... on n'est pas au même truc de membres. Ils me disent mon nombre total, j'ai 161 membres. Hein. Et oui, on avait plus que 154. Ils se sont trompés ici. Donc, je vais euh, le modifier. Donc, on démarre par 100, euh, 161. Et l'objectif, c'est 200 membres. Et à 200 membres, on fera un autre jeu d'horreur, si vous voulez. Ou un autre jeu tout court. Voilà. Euh, plusieurs lives sur un autre jeu. Euh, il va se terminer, on va dire, on s'en fout. Euh... On va aller euh, dans longtemps, ouais, euh, on a jusqu'au 0,5. Alors c'est le mois en premier, donc c'est 0,5. Euh, hop, on va dire 21, 24. Voilà. Et le titre c'est Objectif membre. Voilà. Ouais Parfait Ouh J'ai raté un truc Merci beaucoup Carla d'être membre depuis 14 mois. Coucou, je te souviens à fond. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc maintenant, il faut que j'offre les subs. Alors, je vais dans quoi déjà Attendez, c'est où je me souviens plus. Euh, manifester votre soutien. Ah oui. Offrir une souscription. Yay yeah Are you ready Ça va offrir 5 subs par 5 subs. Vous êtes prêts Vous êtes ready Oui, c'est au hasard. Je ne peux, peux pas choisir, en fait. C'est au hasard. C'est YouTube qui décide. Let's go <laughs> Attention, qui, qui qui a reçu qui a reçu Alors Elsa a reçu une souscription, Cyril Lison 1910 a reçu une souscription, Design Art a reçu une souscription, Miaela a reçu une souscription. Bravo à vous, trop cool Et encore cinq autres, allez allez. Donc hop Pardon, si vous ne le savez pas, une fois par mois, je peux vous offrir 10 souscriptions. Donc c'est gratuit. Vous avez accès à toutes euh, les informations qu'ont accès euh, les membres. Vous avez les émojis, vous avez le badge, vous avez tout pendant un mois gratuitement. Voilà. C'est parti. 5 de nouveau. Attention, attention, attention. Qui ça va être, qui ça va être Célia a reçu une souscription. Zozolens a reçu une souscription. Cathy Alice a reçu une souscription, Vincent Dutu a reçu une souscription et Yuki Cash a reçu une souscription! Voilà, bravo à toutes ces personnes pour, euh, pour la chance que vous avez eue ce mois-ci. Et dans un mois, on recommencera et j'offrirai de nouveau 10 nouvelles souscriptions. Merci beaucoup! Donc là, l'objectif euh, membre, il est à 200. Le but, c'est qu'on arrive à atteindre ça, à atteindre ce palier. J'aimerais beaucoup, sincèrement. Parce que les membres, je vais pas vous le cacher, je me rends compte que ça m'apporte pas mal d'argent finalement. Limite comparé au pub YouTube. Euh, donc voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui prennent le temps de dépenser 1,99€ par mois. Ou il y a le palier au-dessus, mais même avec 1,99€ par mois, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à toutes les personnes. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on arrive petit à petit à avoir ces goals-là. Surtout qu'en plus, je live un peu plus en ce moment. Donc si ça vous fait plaisir de me soutenir et d'avoir des avantages, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est comme les sub-Twitch, mais ça coûte moins cher. 1,99€, ça va. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Et on va donc faire la boîte de nuit qui gagne à 35%. Oh, merci beaucoup Stéphane Denis pour être devenu membre. Merci infiniment, ça fait trop plaisir. Donc, comme je le disais, tu as accès à toutes les informations en avant-première sur la chaîne. Euh, tu as, je sais déjà plus ce que je voulais dire, un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui évolue en fonction du temps que tu seras membre. Tu as aussi accès... Euh, à 14 émojis tu peux mettre en commentaire sur les vidéos et sur les lives et une fois par mois tu as un super chat gratuit alors il ressemble à ça oh attendez j'ai pas changé le là vous avez plus est-ce que j'aimais bien qu'on ait les petites euh, les petites images de pétales moi ça me manque les pétales <laughs> vous voulez que je mette les pétales ou pas j'aimais bien mais bah, après ça vous cachez le prix mais là en soit le prix on s'en fout en bas et en haut à droite, vous n'en avez pas besoin. Moi, j'aimais bien mes petites pétales. C'est où Image je parcourir. Je vais mettre mes petites pétales. Moyen. Mmh. Voilà. J'aime bien. T'as peut-être pétales. <laughs> ça fait du bien, les petites pétales. Plus beau jour de ma vie. Eh bah, ben, trop cool, Design Art. Ça fait plaisir. Pétales, allez, Team Pétales, oui! Donc, il faut qu'on fasse une boîte de nuit ici. Mais vous savez que je crois que je suis jamais allée à cette boîte de nuit. Déjà, on va voir à quoi elle ressemble. Donc, c'est jeu de base. Hein. Alors, d'extérieur, elle ressemble à ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est chaud quand même. <rire> <rire> Alors, faudra qu'on fasse que ces quatre terrains. Donc, il y a un terrain, deux terrains, trois terrains, quatre terrains. Que ces quatre terrains se ressemblent quand on va faire la réno. Voilà. Parce qu'on a, on a fini un quartier. On a fini... Non, on n'avait pas encore fini l'autre quartier. Mais bon, on a voulu changer un petit peu. Mais il faudra que ce quartier se ressemble. Mais ça va être chaud de ouf. Oh, Merci beaucoup Exo pour être devenu membre, merci infiniment, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien. Donc tu as accès à des informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne. Tu as aussi euh, ton badge qui, un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Tu as aussi 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Et une fois par mois, un super chat gratuit. Merci beaucoup. Merci Nancy. Et merci Mathéo qui est membre depuis deux mois. Il y a un nouveau membre. Oui, je viens de le voir à l'instant. Je n'avais pas activé autoriser les cadeaux. Ah, faut activer autoriser les cadeaux, je ne savais pas ça. Ah, peut-être, oui alors. D'accord. Ok. Ok, ok. Oh, il y a une nouvelle option dans, dans le chat. Je peux voir, euh, j'ai une option qui s'appelle Top Chat. Certains messages, comme les spams potentiels, peuvent être masqués. Et Chat en direct, tous les messages sont visibles. Ah, ok. Bon, je vais rester sur le chat en direct, sinon je vais peut-être rater des messages. Mais ne spammez pas, hein, c'est dans les règles, d'accord faut pas spam. Vous voulez un mot interdit Ok, on fait un petit mot interdit. Après, on part sur la construire. Hein. Faut construire un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez comme mot interdit Dites-moi, dites-moi. Donc, ce terrain vaut 92 000 simflouz. Très bien. Ah ouais, il ressemble à ça. En vrai, je suis tentée de, de le détruire, quoi. Oh C'est une boîte de nuit. Mais les gens, ils dansent où là, dans la boîte de nuit il, il, il danse où c est, c est, Ceci est une boîte de nuit. Ok. Euh, vous savez quoi Il y a quelqu'un qui m'a dit en plus en commentaire Ouais, c'est dommage, nanana, tu pars pas de zéro. La vie que je pars de zéro pour cette construction, ok je vais, je vais galérer, mais c'est pas grave. <laughs> Alors, moi interdit nuit. Moins interdit. Euh, Nimi, moins interdit Jean, moins interdit. Sow. Et moins interdit, construction. Je vous laisse voter pour le sondage. Alors attendez, je crois que j'ai raté quelque chose. Oh, merci beaucoup Little Girlie qui vient d'offrir 5 souscriptions. Mais merci infiniment Little Girlie. Alors attends, tu vas faire des souscriptions à qui Faut que je regarde. Faut que je regarde, faut que je regarde. Attends, je ne vois pas. Donc... Euh, Coline Jespierre a reçu une souscription. Caro G a reçu une souscription. Coucou Original, comment tu vas GG YouTube a reçu une souscription. Et Luan Renara a reçu une souscription. Comment vous allez les gens Il y a plein de gens qui nous rejoignent là. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux continuer le jeu d'horreur S'il te plaît, Juliette, ne spam pas, je t'en supplie. Le jeu d'horreur, ce sera mardi prochain. On a déjà fait un live euh, de plus de 2h dimanche, un live de plus de 3h mardi. Et là, je ne peux pas live avant mardi prochain. Donc le prochain live jeu d'horreur, ce sera mardi. Voilà. Tu as ta réponse. S'il te plaît, arrête de spam, je t'en supplie. Sinon, tu vas être banni par mes modérateurs. Comment on fait pour donner une souscription Alors, pour donner une souscription... Euh, c'est dans manifester votre soutien à conjureuse. Vous avez un petit dollar encadré par un rectangle blanc. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez offrir une souscription. Voilà. Il y a un super sticker, super chat, et il euh, y a euh, offrir une souscription. Voilà. Donc euh, si jamais vous avez envie d'offrir des souscriptions, ce qui est très gentil, vous pouvez le faire comme ceci. Donc c'est parti, let's go. Je vais devoir créer la boîte de nuit. Je ne sais pas du tout sur quoi partir, sincèrement. Alors j'ai le débogage organisé, euh, Move Objects on activé, tout est bien activé. Je démarre de zéro, donc ça veut dire que ça va être une construction qui va être plus longue. Oui, oui, oui. Mais voilà, j'essaye de m'améliorer. Merci beaucoup Manon pour être devenue membre. Manon Ellie Louise, merci infiniment pour ton soutien pour être devenue membre. Je répète encore une fois, mais tu as accès à toutes les informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne. Tu as aussi euh, un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Et tu as 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Merci beaucoup. Alors, je vois bien ici peut-être une place comme ça. Alors, j'ai peut-être fait un peu trop grand. Hum. Si je me mettais là, ce serait bien qu'on ait une entrée, genre comme ça. Ouais. Donc, l'entrée serait par là au niveau de la route. Et ici, on pourrait réduire comme ça. Et là, euh, réduire comme ça. Ok, ça pourrait être une idée. Imaginons, est-ce que je dupliquerai pas ça et. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc là, j'arrive à une boîte de nuit avec étage. Mais vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être assez stylé, je pense. Parce qu'on va faire des bâtiments. Je pense que je vais essayer de faire des bâtiments assez euh, droits pour que ça ressemble un peu au style qu'on peut avoir. Et en vrai, une, moi une toiture euh, comme ça, ça me va, tu vois, ça me stresse un peu moins. Tu voyais ce que je veux dire. N'hésitez pas à voter pour le moins interdit. Ah, je crois que j'ai raté quelque chose. Merci beaucoup Miss Simset qui a offert une souscription et la souscription a été offerte à Alban. Merci infiniment pour Alban. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous êtes adorable. Ah, attendez. Merci Aurore pour avoir offert une souscription. Merci beaucoup. La souscription a été offerte à Minhoff Off, M L Off, je crois. Oh, je vous aime trop. Franchement, c'est ça que je me dis. C'est genre, euh, si je vous avais pas, vous êtes vraiment ma communauté en or, quoi. C'est, je vous aime. <laughs> Alors, je pense faire une forme comme ça. Et ça va, ça va, il va avoir un côté, il va avoir un côté sympa. Vous allez voir, ça va être chouette. Par contre, je me dis, est-ce qu'on pourrait faire, peut-être faire une toiture avec des plateformes. Est-ce que ça pourrait pas être une idée? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginons, là. Si on avait une plateforme comme ceci, ça pourrait donner un petit, un petit renouveau hein, à, à Windenburg, non. Hmm. Soit on part sur un style comme ça, soit on part sur un style avec plateforme. Ah je sais pas. Après, l'effet plateforme peut être sympa. Hein. Hmm. Imaginons, Imaginons un, un côté un peu comme ça. Euh, oh, qu'est-ce que ça. Ah non, ça n'a pas fait ce que je voulais que ça fasse. Comme ça. Comme ça. Est-ce que vous aimez bien ou pas l'idée des plateformes Dites-moi. Merci beaucoup, Alex, pour tes 2 euros. Merci, ma modo d'amour. Plein de love pour toi, ma conjugue qui pure smile. Mmh, merci. Mais c'est grâce à vous que je garde le sourire, sincèrement. Merci beaucoup Roxane aussi pour être devenue membre, ça fait trop plaisir. Merci, on est 165 membres sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc tu as accès à des informations en avant-première sur, sur l'onglet communauté de la chaîne. Euh, tu as 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire de vidéos et de live. Et oh, c'est un peu spé, mais pourquoi pas. Comme ça, peut-être. <laughs> et, euh, et tu as un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et un super chat gratuit par moi. Merci beaucoup. Et merci pour être membre depuis 11 mois, Valé. Merci, Conju, pour ton travail et tes vidéos. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimez bien ou pas l'idée des plateformes Après là, j'avoue, euh, je serais partante de faire... Vous allez, vous allez voir, attendez. J'ai une idée. Si je fais ça comme ça. Hop. Hop. Dis-moi que ça passe. Oui oh Mais je suis trop forte. Hop, regardez. Alors là, par contre, soit je détruis, soit je mets des petits murs. Je sais pas. Je pars sur un délire. Écoutez, euh, pourquoi pas. Hein ah ouais. Ah, oh, ça peut être trop stylé. Attendez, hop. Il y a moyen que cette boîte de nuit soit super stylée à la fin. Ah, mais il y a un plafond. <laughs> faut que je détruise le plafond. Hop, hop. Hé hey Attendez, il y a moyen de moyenner, là Il y a les chanceux et il y a les autres. <laughs> Comment ça Bah toi, t'es membre, Véro, en tout cas. Il faut que tu partages la photo du Legacy. Alors, il faut que... <laughs> C'est un bien grand mot. Euh, J'ai fini la miniature aujourd'hui et j'avoue que n'y ai pas pensé. Voilà, donc euh, oui, si vous voulez, je vous la partagerai après le live. Ça, ça, ça peut donner un côté pas mal, mais attendez, encore mieux. Là, on va faire ça. Et on va faire... Euh, ah non, attendez, comme ça. Oh, il va être trop stylé Enfin, notre boîte de nuit va être... Ah non, je suis à l'étage Je suis pas comme il faut Là voilà. Elle va être trop stylée, notre boîte de nuit, les gens. Je pense qu'elle va être trop stylée. Ah ça, ça colle pas Oh non Euh. Et eh bah ben, la boîte de nuit, elle va être réduite. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, hop. hop. Oh là c'est pas, pas très très grave. Hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, Est-ce que je l'arrête Non, comme ça et comme ça et comme ça. Yeah! Ça va être sympa, je le sens. On va faire, un, on va faire un truc stylé. Je vais faire une boîte de nuit de rêve pour nos Sims. Enfin, moi, je vais jamais en boîte de nuit. <laughs> Donc bon, euh, je sais pas trop euh, ce que c'est une boîte de nuit de rêve, mais je vais faire euh, comme ce que j'imagine en fait. Alors par contre, juste. Il Faut que je mette les petits murs, alors demi-murs. Voilà, donc je les mets de partout. Hop, hop. Merci beaucoup, Ultra Violette, pour être membre depuis trois mois. Ça va être top. Et design, tu oh, c'est gentil. <laughs> Merci beaucoup, c'est très gentil. Attendez, je crois que j'ai raté un truc. Par contre, je vais aller checker ça quand même. Euh, membre depuis 11 mois, membre depuis trois mois. Roxane, non, c'est bon. Je crois que j'ai loupé personne. Ok, super, hop là. Je me remets en chat en direct. Coucou Chanel, merci beaucoup d'être là. Je suis désolée de rien pouvoir offrir, mes parents n'ont pas l'argent. Ah mais non, mais ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas, hein. vraiment, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas à t'excuser pour ça, hein. vraiment pas. Juste que tu sois là, que tu regardes les vidéos, que tu les likes ou quoi, bah ça m'aide énormément, donc vraiment, pas, be pas besoin de t'excuser. Alors, il y a moyen que ce soit stylax. Pour l'instant, les couleurs, etc., ça va pas. On va pas se le cacher, c'est pas. c'est pas foufou, lichon Mais ça va bien rendre. Alors là déjà, je pense que je pourrais plutôt mettre un côté blanc comme ça. Je pense que blanc, ça peut être sympa. Je sais pas trop où j'ai mis là. Je... je clique un peu n'importe où et ça, ça applique. <laughs> Mais là, je pars de zéro, hein, donc les gens qui disent ah, « poète, poète, poète hein, », quand elle part, par de zéro, blablablu, blablabli, et oh, un hein, fufufu, fu, moi, je vous le dis. Alors, par contre, les contours. Donc là, on a des bâtiments en briques. Alors, il faudrait qu'on regarde un peu les bâtiments en face, parce que c'est vrai que ça fait un bâtiment quand même qui est très moderne. Hum, on va essayer de garder un peu des tons marronnés, boisés. D'accord Ça vous va Alors, le mot interdit pour l'instant, c'est « sow », qui gagne à 30%. Je vois ça encore voter un petit peu ou pas Non, il y a 320 votes. Bah ok. À partir de maintenant, je pourrais le dire, si je le dis, un engage. Coucou à Mousseline. <laughs> J'adore. <laughs> J'adore ton pseudo. On est en train de faire la réno des mondes. Ça va être, ça va être assez dingue, je pense. D'ailleurs, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, je pense qu'ici, il faudrait que je fasse, euh, Regarder une sorte de, de mur colonne comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Ah! Ou alors, en fait, non. Je suis en train de me rendre compte. Je peux faire en fonction euh, de la largeur. Je peux faire des colonnes uniquement. Enfin, bon, vous, vous allez comprendre. <laughs> vous allez comprendre ce que je veux dire, j'en suis sûre. Là, vous voyez, ce mur-là, il n'est pas là. Ce mur-là, il est pas là, ce -là, là celui-ci non plus. Eh bah, bien, dis donc, euh, mes voisins, ils ont fait tomber des trucs dans le couloir. Ça fait un boucan. Hop, 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 hop. Là, je, je deviens architecte. Hein. Je fais une construction, euh, la totale. Hein. Là, je tente de vous sortir une boîte de nuit de rêve que vous pourrez utiliser dans vos parties. Hop, hop, hop. C'est des idées, écoutez euh... Je tente. Là, j'avoue, j'ai aucune inspi. Genre, tu sais, je m'inspire même pas d'une photo ou quoi sur euh, sur Pinterest. Je pars en Wall again. <laughs> Par contre, attends, mais le côté là des sols, en vrai, c'est pas dégueu. Mais non, vas-y, je vais l'enlever quand même. Hop, hop, hop. Et là, pareil ici. Ah, ça va, ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa, mais de ouf. Ça va être chouette. Architecte, conju, c'est mon nouveau métier! <laughs> sur les Sims, uniquement sur les Sims. Alors, pour les bordures, on aurait. Ah non, on a dit un peu de boisé. Ce serait bien qu'on ait un peu de bois. Ouais, mais on veut juste du bois. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a qui fait juste bois? Ou alors briques. Ah, un côté briques. Oui, en vrai, ça pourrait rappeler un petit peu là-bas. Je suis en train de me demander. Sinon, on a ça avec du bois aussi. Ah, ça fait brique rouge et bois. Ça fait un peu bizarre quand même. Putain, hein. mes voisins, je ne sais pas si vous entendez, il faut un boucan de malade. Ah, mais attendez, il faut que je mette un truc comme ça. Hum, non, ça. Alors, je peux le mettre là, mais je peux pas le mettre là. Parce que c'est pas compté comme une pièce. Ah, là, je peux. Ah, ouais. Trop beau. Alors soit je le mets en blanc, soit je le mets en bois. Oh Oh Et c'est pas mal. Alors en blanc ça rend comment Ouais mais ça jure en blanc. Ah quoique en vrai je me dis on peut mettre en blanc et euh, les bordures de sol on met la brique rouge mais avec le haut blanc comme ça. Donc là, ici, on va, on va épaissir un petit peu. Euh, oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, on va l'augmenter augmente, une fois, l'augmenter une fois. Comme ça, on voit un peu les briques rouges. Vous voyez ce que je veux dire Même encore un, celui-là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, il y a un petit truc, là. Merci, Carla, c'est gentil. Il y a un petit truc. <laughs> bah, profites-en, design alors, le sol par contre. Ah oui, aussi, je voulais mettre là des colonnes. Attendez, parce qu'il y, euh... y a plein de trucs que je fais. Donc, euh... est-ce qu'on se ferait pas une petite surélévation Quoique là, c'est directement au sol. Là, c'est surélevé, là, c'est au sol. En face, c'est directement au sol. Non. Par contre, on va peut-être se faire un, un sol. Plus les, 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 les colonnes. Alors, imaginons, ce serait un sol de pierre. Bon, là, j'ai mis du béton, on en a un avec des... Oui, ça, ça peut ressembler un peu avec le, la route. Oui, bah, c'est le même qu'il y a là-bas, en plus. Donc, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Après, est-ce qu'on le met de partout Genre, euh, si on le met absolument de partout sur le terrain, il n'y a plus de verdure. À voir. À voir. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Par contre, euh, la toiture... Alors, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit béton alors, béton noir, euh, peut-être pas noir. Euh, un béton gris, marron Non, gris. C'est quel béton qu'ils ont mis ici Non, c'est pas le même. Hein. Attendez, parce que moi, je veux bien trouver leur béton, moi. Ils ont mis quoi comme béton Peut-être celui-ci. Ah, ouais. Oui, ce béton-là, il me paraît être ressemblant. Je vais jouer au Sims avec ton live en fond. Des bisous. Bisous June Maïsène fait son apparition. Ah j'avais pas vu. Merci beaucoup Alix d'être là. Merci mes modos d'être toujours là. Sinon tu peux laisser des parterres pour des fleurs. Ouais c'est ça. Ça j'ai très envie de, de mettre quelques fleurs. Justement là c'est ce que je réfléchissais. Je me disais en fait soit ici on peut se faire un petit chemin qui va vers l'arrière tu vois. Entouré par un petit parterre de fleurs. Et là que un parterre de fleurs je sais pas encore en fait. Parce que là... Cette zone-là, elle va être stylée de ouf. Hein. Franchement, donc là, je vais reprendre juste. Je pense qu'on peut hop, faire ça comme ça. Ça va être... Ah ouais, ça va... en vrai, ça va être stylé. Alors, soit on fait un contour de deux pour que les gens puissent faire tout le tour. Donc, regardez comme ça. Hop, voilà, un petit contour de deux en mode, pas couloir, mais chemin. Et là, après, on met des plantes autour. Et que de ce côté-là, là, ils peuvent pas y aller, il y aura des plantes directement. Et là, par contre, je vais faire CTRL-F. Ah, oh, non, n'est pas ce que je vais faire. CTRL-F. Hop, hop. Et là, comme ça. Ouais. Si, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, pour l'instant, ça ne paye pas de mine encore, hein. c'est le début. Mais on avance, on est en train de faire la structure. Hein. C'est comme ça qu'on commence. Euh, voilà. Je t'aime trop quand as... <laughs> C'est gentil, Margot. Ouais, c'est une bonne idée, Célia. Ok, si vous aimez l'idée, je, je valide. Les autres constructions, c'est toi qui les as faites. Désolée, ouais, j'ai pas tout suivi. Coucou, Pepper. Alors non, là, en gros, on vient d'arriver sur ce quartier-là. Ici, il y a le musée du jeu de base. Ici, il y avait la, la, la boîte de nuit du jeu de base. Mais on est en train d'en de, de, faire une nouvelle. Là, ici, c'est... Euh... C'est quoi, déjà, ici Salle de sport. Salle de sport du jeu de base. Et là-bas, bibliothèque du jeu de base. Donc, on va refaire les quatre terrains-là. Donc là, pour l'instant, on a commencé par la bête de nu parce que c'est ça qui a gagné au sondage. Je t'ai créé dans les Sims. Oh bah, C'est chouette en vrai. Un jour, il faudrait que je regarde toutes les conjureuses. Si jamais vous me créez dans les Sims, euh, n'hésitez pas, genre, à mettre hashtag conjureuse et tout pour que je puisse voir. Ça peut être sympa. Après, par contre, bah, si vous avez des CC que j'ai pas, forcément, je... je me verrai toute nue, Ça sera pas trop d'intérêt. Merci beaucoup pour les follow, merci Flavie pour euh, le follow, bienvenue sur la chaîne. D'ailleurs, on a passé les 120 000 abonnés sur la chaîne. Donc je voulais vous remercier pour ça. Merci, merci. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc continuons notre construction. Je pense qu'on pourrait faire un effet de colonne, comme je le disais. Euh, mais cette fois-ci uniquement voilà, là sur les bords, comme ça. Euh, donc là ici, attendez, je suis déjà perdue. Comme ça, voilà. Et hop. juste ici comme ceci est-ce que j'en referai pas deux au milieu quand même si on voit la grille ce serait là le milieu oui là en termes de carreaux il y a 3, 3, 3 alors après est-ce que c'est bien ou pas bah ben après ça fait peut-être protéger je sais pas après on comprend peut-être pas que c'est l'entrée ici si je fais ça non, quatre euh, colonnes ou que deux, dites-moi. Ah oui, tous les jours j'ai regardé pour te feister quand tu les aurais, mais j'avais pas vu. Bravo conjuge, tu mérites tellement. Merci original. Oui, j'ai trop hâte. Oh Chanel, attends, j'ai pas lu. Pour ceux et celles qui ont suivi le jeu d'horreur, rendez-vous mardi. Oui, mardi c'est la suite et j'espère qu'on va finir le jeu. Donc mardi prochain, 18h. Parce que je peux pas live avant malheureusement, je ne suis pas là ce week-end. Enfin malheureusement, je pense que j'ai aussi un peu besoin de repos. <laughs> C'est bien, deux colonnes, deux, quatre. Je vous fais un petit sondage comme ça vous me répondez sur le sondage. Nombre de colonnes. Merci pour le follow, Pepper. Bienvenue sur la chaîne. Deux ou quatre. Dites-moi, dites-moi. Donc en attendant, je pense que je vais mettre des murs un peu de partout. Alors on mettrait quoi comme mur Des murs de briques, ça pourrait être pas mal hein, pour rappeler le côté bah, de, la, de la ville de base. Euh, donc les briques de base c'est ça. Alors imaginons si on mettait par exemple les colonnes en briques. Oh en vrai ça fait un peu euh, bâtiment. Euh... Je sais pas pourquoi je fais cet accent, mais vous allez comprendre. Vous savez que... Attendez, mais. Non, mais non, je ne vais pas faire ça. En fait, j'étais en mode est-ce que là. Non, c comme ça c'est stylé, comme ça. Non, comme ça c'est stylé. En vrai, c'est stylé comme ça. Ah c'est mieux. Je pense que c'est mieux. C'est mieux comme ça. Moi j'aime bien. D'ailleurs, j'ai envie de mettre un peu de réalisme. Je rajouterais bien au-dessus, vous savez, ces trucs-là qu'il y avait justement. Pour. Ouais, ça peut être sympa. Il y avait quoi d'autre Il y avait ça aussi, du jeu de base. Euh, ça, je vais le mettre euh, ici. Ouais. Pour que sur le toit, soit un peu réaliste. Et il y avait une cheminée. Euh, je pense pas qu'on va avoir une cheminée. Non, il n'y aura pas de cheminée. Voilà, juste... Je vais en mettre deux. Un plus petit. Je sais même pas ce que c'est ces trucs là, ça s'appelle quoi? Et vend de toi comme autrefois. Avant, certaines choses étaient de meilleure qualité. En voici un exemple. D'accord. <laughs> Attendez, je vais bien l'aligner. Hop là, voilà, parfait. Alors c'est deux qui gagnent à 58%. J'avoue. En vrai, en vrai j'avoue que. Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je pense que c'est mieux deux pour une entrée. Parce que sinon ça fait un peu trop, vous voyez. Euh... Les bâtiments, genre les banques ou je sais pas quoi. Donc ok, on part sur deux. J'aimerais aussi être forte que toi dans les Sims 4. Eh ben tu sais quoi? Euh, le travail, l'entraînement. <laughs> et en vrai, moi je ne me trouve pas spécialement forte. Je pense que je commence à être dans la moyenne. Voilà. Mais forte. Bon, bof. Donc, on aurait deux pour l'entrée. Hmm. Par contre, ce que je pourrais faire pour qu'on décèle que c'est bel et bien une entrée. C'est faire ça. Regardez. Là pour qu'on comprenne que c'est l'entrée. Ça peut être chouette. Ouais. Moi, ouais. ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et en plus, cette partie-là donc pourrait être... Euh, si je fais shift, ouais, avec les briques comme ça, pour l'entrée. Le reste ne sera pas en brique parce qu'il faut un petit peu qu'on qu ait du contraste. Hum... Alors soit c'est en brique avec du bois. Est-ce que ce sera en brique avec du bois bah, Ça pourrait en vrai, hein donc c'est briques rouges. Ah c'est pas toujours la même brique. Par exemple c'est du vert, du bois vert. Là c'est du bois foncé. Ça fait beaucoup de briques là Non, stop la brique, moi ça m'énerve. <laughs> il y a trop, il y a trop. Non on va partir sur des murs, euh, des murs basiques. Euh, on a des murs avec un peu un effet de texture, ouais. En blanc, en bleu. Pourquoi ça bug comme ça des fois Ça, c'est un effet d'ombre qui s'est créé là. Il y a un effet d'ombre ici. C'est trop bizarre. Des fois, le jeu, il crée des ombres euh, tout seul. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence, Chanel J'ai pas vu. Je reviens dans pas longtemps. Pas de bêtises, le chat. Hein. <laughs> trop mignon. Coucou, Desmarie, comment tu vas Coucou, Elona. Eh bah ben, écoute, on a bien avancé pour l'instant sur notre. Boîte de nuit. Après, en vrai, euh, en blanc, ça peut passer. Hein. Oh là, c'est quoi C'est un effet un peu... Ah, c'est un effet texturé. Euh... Ah, cet effet texturé là, il peut être sympa aussi. Je suis en train de me rendre compte. Ouais. Pourquoi pas C'est juste trop bizarre. Pourquoi il y a cette euh, démarcation là Vous avez vu Quand tu zoomes, tu la vois presque plus, là, la démarcation. Mais là, ici, euh, on la voit. Entre les deux murs. J'aime pas ça moi. Coucou Morane. Coucou Andy. Vous mangez quoi ce soir Alors là, moi perso, je sais pas encore. <laughs> bon, et si on se mettait un petit peu des portes, des fenêtres, tout ci, tout ça Alors déjà à l'intérieur, comment ça va être euh, agencé Il faut qu'on ait euh, dans une boîte de nuit, il faut un bar, euh, trois tables de salle à manger, six sièges de salle à manger, au moins une toilette. Un évier, une chenille un traitement des ordures, trois tabourets de bar. Ok, bah ça on aura tout. On va le faire, bien sûr. Je pense que la zone bar, elle pourrait être ici. Et elle va donner là, sur une terrasse extérieure. Ça pourrait être très 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 joli. Ouais, la zone bar, elle va être là, et là, la terrasse extérieure. Là, ça va être une zone où tu danses. Euh, on va mettre les toilettes à l'étage euh, au-dessus du bar, je pense. Et là, par contre... Je vois bien euh, que ce soit ouvert en fait sur le plateau, euh, le plateau de danse. Alors attendez. Euh, je veux que ce soit symétrique. Donc en nombre de carreaux, on en a deux. Là, on en a trois. Là, on en a trois. Je vais faire deux, deux partout. Très bien. Et comme ça, je détruis ce mur. Donc là, voilà, très bien. Alors on voit rien pour l'instant, c'est normal. Je vais mettre des fenêtres de base, vous allez voir, on voit un peu mieux. Non, ça ne veut pas se caler de partout. Pourquoi tu veux pas te caler les fenêtres oh, C'est super beau, ça. Et donc là, vous allez voir, ça va être sympa. Ça va être sympa. On va faire, on va faire un truc chouette. Et en demi-mur, on va faire un mètre. Ou. Non, 1 vingt 25 au moins quand même. Euh, là, là et là. Yeah Ok. Bon, c'est. Très bizarre que ce soit noir comme ça. Ah non, mais oui, d'accord. Ok, bon. Déjà, on va se mettre des lumières. Hop, 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 hop. Des petites lumières pour qu'on y voit quelque chose. On va mettre les portes, les fenêtres. Let's go, let's go. Oh, merci beaucoup pour tes 5 euros. Merci infiniment. Zaina, ça fait trop plaisir. Je te réserve une petite surprise le jeudi 4 avril. Quand tu seras en live, j'espère que tu es prête émotionnellement. Ah Le 4 avril hop oh, fini. Une... <laughs> Je sais pas si je vais pouvoir live le 4 avril parce que je sais pas si je suis chez moi. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, Chris, pour être devenu membre. Merci infiniment. En plus, level 2. Merci pour ton soutien. Tu as accès à des informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne. Tu as un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Tu as aussi 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les lives et sur les vidéos. Et un super site gratuit par mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Ce sera une autre date alors en tout cas ce sera en live. D'accord Zaina, bah je me prépare, je me prépare, euh, je me prépare. <laughs> je sais pas si c'est quoi ta surprise mais ok. Donc je vais mettre les lumières je pense du jeu de base pour l'instant. Alors euh, là ça la met en haut ou pas Ah non ça la met pas en haut la lumière. Donc là imaginons je vais mettre mes lumières là, hop et hop voilà et là oh ça fait bizarre. Pourquoi il y a des traits comme ça pourquoi il y a des traits bah, Qu'est-ce que c'est que ces traits Donc là, c'est le bar et à, ici, il y aura les toilettes. Mais je pense que ça va être euh, comme ça. Voilà, là, il y aura une petite zone où tu peux te détendre et là, on va le séparer en deux et il y aura le côté homme et le côté femme, comme ceci. Ah bah, ma lampe, elle va dégager, attendez. Il <laughs> faut que je la mette là. Hop. Ça va être. Franchement, on va, on va faire un très joli, euh, une très jolie boîte de nuit. Hein. Donc là, ça va être côté homme, côté femme. Et on aura des toilettes. Je pense qu'on pourra faire un. Euh, non, peut-être plus comme ça. Non, il faut deux carreaux pour les toilettes, je crois, minimum. Donc oui, j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire comme ça. Ok. C'est exigu. Trois et quatre. On peut faire. Euh... Oh, excusez-moi. Ah Pardon Ouh Ouh là 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 Non, 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 pas encore On peut faire quatre euh, toilettes, ça peut être bien. Comme ça, comme ça et comme ça. Et là, il y aura les lavabos. Hey, yeah I love it, je valide. Donc, il faut que je mette des lights de partout. Le terrain, il faisait 92 000. Euh, on verra si nous, il dépasse 92 000. Après, comme c'est un terrain communautaire, on s'en fout un peu du prix, sincèrement. Hop, euh, là, je mets la light au centre comme ceci. Voilà, parfait. Je vais fermer les murs comme ceci, ici, pour pouvoir après mettre les portes et les toilettes. Ok, donc là, il faut que je remette encore une lumière là-bas. La luminosité sur les Sims, c'est tout un pataquès. Hein. Regardez, après ça fait des, des formes bizarres. C'est très dommage que ça fasse ça. Ok. Donc là, les lumières que j'ai mises à l'étage, ça fait cet effet par terre. C'est un petit peu déroutant. Ah, mais. Ok. Il y avait un, une plateforme, mais c'est pas ce que je voulais. Ah oui, maintenant il n'y a plus la plateforme. D'accord. Donc là, ça bug un peu moins, on va dire. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, déjà, on commence à avoir les formes, c'est pas mal, hein Merci beaucoup, Léa Manon, pour tes 6 euros, Coucou ça va bien, mais merci. Franchement, ça va bien, j'ai pu parler avec vous, et j'avais vraiment besoin de vous parler. Et ça me fait trop du bien qu'on ait pu parler, parce que j'en avais besoin. Donc merci beaucoup, merci, merci. Alors, en termes de porte, euh, là je crois qu'on est sur une hauteur, ouais, on est sur une hauteur assez, assez conséquente. Donc, pour... Qu'est-ce qu'on a comme porte d'entrée pour une boîte de nuit Alors, 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 alors... Ça, ça fait stylé de ouf, sais. C'est bonus d'environnement du terrain 2. Porte haut de gamme réservée au VIP. <laughs> en vrai, c'est sympa. Hein. Porte chic réservée au VIP. Après, il vaut peut-être mieux, pas... mieux qu'on ait la porte chic, tu vois, mais sans le côté VIP. Oh, waouh Elle est super cool, cette porte. Ah, j'adore. J'adore cette porte. Et est-ce qu'on met la même porte pour aller sur l'extérieur là? Oui. En vrai, pourquoi pas? Là sur la terrasse extérieure. ah oh, ça va être trop bien. Oh, ça va être trop 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 bien. On construit une boîte de nuit. Je kiffe. Franchement je kiffe. J'ai loupé le début, s'est passé quoi? Tu peux revenir en arrière si tu veux, sinon il y aura la rediffusion de live, mais je vais pas en reparler parce que sinon on, on perd beaucoup de temps. Boîte de nuit de luxe, ah mais carrément! Tu vas là-bas, euh, tu te fais dépouiller! <laughs> Alors juste, je vais mettre un parquet pour que ce soit un petit peu plus joli visuellement. Donc je nous mets un petit parquet, voilà, et des murs euh, blancs. Juste pour que ce soit plus agréable visuellement. Et là, je vais nous mettre un carrelage. Carrelage très basique, de partout, pour l'instant. Et on travaillera ça un petit peu après. Merci pour les nouveaux follow, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça fait trop plaisir. Et donc j'aimerais juste mettre un petit mur blanc euh, tout basique. Voilà. Hop, et hop, voilà, comme ça l'intérieur est un petit peu plus un petit peu plus sympa, donc ou oh, par contre ici c'est méga lumineux là, waouh wow. faudra qu'on mette un mur plus foncé alors pour les fenêtres on va mettre des fenêtres comment, je pense qu'il faut qu'on mette des fenêtres très modernes, donc sans voler euh, juste des baies vitrées, donc soit on part sur des baies vitrées du jeu de base, comme ça au moins tout le monde les aura, alors cette porte-ci elle vient avec heure de gloire, donc si jamais euh, les personnes n'ont pas heure de gloire, bon bah il faudra qu'ils mettent une autre porte. Mais cette porte est vraiment très très belle. Alors, les baies vitrées du jeu de base, on a celle-ci. En vrai, elles font le taf. Hein. Oh, ça peut être super stylé. Oh ah ouais, ça va être trop stylé. Ça va être tellement stylé. Et là, est-ce que je continue ou pas En vrai, je peux faire tout le tour, hein, mais grave. Ah ouais. En vrai, t'es en boîte de nuit, donc euh, on, peut y, on peut y aller la totale de. de... Non, je sais pas. <laughs> vous en pensez quoi de mettre des bébés vitrées de partout Ça passe ou pas En bas, j'aime beaucoup. En haut, peut-être moins, je sais pas. Dites-moi. Pas de spam, s'il vous plaît. C'est dans, le... dans les règles du chat. Je pourrais faire une vidéo où tu découvres tout. Les conjureuses dans ta galerie. Faudrait que je fasse ça en vrai, ça, pour, ça pourrait être sympa. Mais il faudrait que ce soit fait euh, sans contenu personnalisé, tu vois. C'est ton anniversaire, Dominique J'espère que tu passes une super journée d'anniversaire Tu as quel âge On fait quoi quand Coucou, Mimi, on est en train de rénover les mondes. Il est 19h, j'ai une limite. Ok, bye, bye euh, Amélia, pas de soucis. On est en train de construire une boîte de nuit pour ce qui vient d'arriver. Merci, Maison, c'est gentil. Alors, vous aimez ou pas qu'il y ait des bijouteries en haut et en bas en haut et en bas, je mettrai pas de fenêtre pour une boîte de nuit. Tu mettrais pas de fenêtre Ah ouais Ah ouais hum, Attendez. En fait, moi je pense que la piste de danse, on peut faire en sorte que ce soit bai Mais en haut, pour peut-être que ce soit un petit peu plus euh, intimiste, on peut mettre, vous savez, juste des, des vitres, mais que... que haute. Alors faut, on en a normalement avec le jeu de bas si je ne me trompe pas. Mais encore faudrait-il... On a ça, mais c'est pas non plus le meilleur. Ça, c'est pas le jeu de base. On a celle-ci avec le jeu de base qui sont élarges sur deux. Donc en vrai, on pourrait avoir ça. Pour avoir euh, de la lumière. Mais qu'en haut, en fait. Et comme ça, en haut, t'es un peu plus euh, caché. C'est un peu plus intime. Et ça donne un côté vraiment sympa. Ah ouais, j'aime bien. Oups. Ah oh, non Je fais que des boulettes. Oh là là. Ah ça ça va être stylé, ça va être très stylé. Mathis, s'il te plaît, pas de spam, tu vas être banni, tu vas être banni. Je préviens une dernière fois, Mathis. Coucou Avalila, comment tu vas Coucou Luna, tu vas bien Non, c'est trop, pas de fenêtre. Vous aimez pas On peut faire Marino. Non Victoria, là on fait pas ça. Victoria, on est en train de faire cette réno là. J'ai je, 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 donné un thème pour la vidéo et, et c'est ça le thème. Alors là, normalement, je crois que les fenêtres vont jusqu'au bout. Oui, parfait. parfait, parfait. Il n'y aura pas des fenêtres après ici, je pense. Justement, ça va être différent. Euh, mais ici, on est good. Hop, hop, hop. Oups, j'ai raté. Il faut que je me décale un peu. Avec le bâtiment à côté c'est un peu embêtant. Après par contre ça cale pas pile avec ce que j'ai fait là, c'est dommage. Hmm. Ou bon alors là j'en mets pas, comme ça ça s'arrête ici, ça s'aligne, ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour les toilettes, je pense qu'on met pas de fenêtre. Là-bas on met pas de fenêtre. Euh, et là on va on peut remettre si on veut B vitré, mais que de ce côté-là, du côté du bar. Hmm, on en met deux. On met deux comme ça au centre. Ouais, ça me paraît sympa. Et de ce côté-là, on en remet. Alors, est-ce qu'on peut mettre trois Ah ouais, on peut pile-poil en mettre trois. Ah, mais là, il n'y a pas de colonne. Ah, c'est dommage. Ah, donc on ne va pas faire comme ça. Hmm, Ou voilà, alors, on les met comme ça de ce côté. Ou on met une petite ici. Alors elles sont les petites du jeu de base. Super fenêtre. Pourquoi je peux pas... Mais une hauteur plus haute. Et j'ai pas la fenêtre du jeu de base. Je vais activer le jeu de base là. Du soutien pour Lisa tout le monde. Euh, bah, bon, bon soutien Lisa. Bye bye Stélie Hawaii. Alors, pack jeu de base. Elle est où ma petite fenêtre Elle est là. Et oui Yes, yeah, ça va. En vrai, ça va. Ça va. Ça passe Donc comme ça, on a tout le bas qui est bévitré, et le haut, euh, donc ça va, être, ça va être un peu la même rengaine, je pense. Je vais pas pouvoir euh, mettre pile poil, donc il me faudrait juste un petit carré. où je vais remettre le jeu de base. Coucou Marilyn On est en train de faire euh, une boîte de nuit Yeah Perfect Et en vrai, franchement, elle va être super stylée cette boîte de nuit hein. Ah et là, au-dessus, est-ce qu'on met quelque chose ici ou pas euh, Soit on reprend celle-là encore. Oh pff, non, quoique si on fait ça. Oh si ça peut passer. Comme ça, il y a un petit, un petit effet. Alors, est-ce que les fenêtres, on les garde en blanc Est-ce qu'on les met en boisé euh, Parce que comme les murs sont blancs... En boisé ou pas Ou en blanc, c'est bien. Vous préférez quoi, vous dites-moi. Franchement, elle va être cool, la boîte de nuit, je pense. <laughs> Sean, tu veux pas de fenêtre, toi Ouais, on va mettre une enseigne, t'as raison. T'as raison. Ici, pas de fenêtre et une enseigne, plutôt. T'as raison. Alors, les enseignes, je sais pas où c'est. Hum, je crois qu'on est sur ça. Décoration murale, il doit y avoir des enseignes là-dedans. Non, blanc, blanc, blanc. Ok, et eh bon, on va mettre blanc. D'ailleurs, il y a un blanc bleu. Oh, il y a un blanc teinté. Ah, ça, c'est teinté. Regardez le blanc. Là, il y a le blanc qui est un peu teinté. Ah, ça peut être bien pour un peu plus d'intimité, non Vous préférez transparent ou teinté bleu Dites-moi, je vous fais un sondage. Fenêtre teintée. Vous me dites oui ou vous me dites non au sondage, d'accord euh, Après, soit vous aimez transparent, soit teinté, on peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez, vous, vous votez oui, c'est que c'est bleu et, et, donc, et donc teinté, et sinon euh, c'est autre chose. Alors, une enseigne. Hum. Alors, on a ça, mais ça, c'est pas top. On a ça. Ça, ça peut être stylé, par contre, ici, sur le bord, là, tu vois. Genre là. Ça peut le faire. En plus, on l'a en blanc. Ah ouais, ça peut être sympa, là, ici. Ça, j'aime bien. Mais ce ne sera pas l'enseigne-enseigne. -enseigne. Donc, ça, c'est les, les enseignes de restaurant. On a des plantes aussi qu'on pourra mettre. Ah ouais, attendez. On va trop faire ça. On va de ouf faire ça. Euh, ah non, là faut que je mette plus petit. Ah ouais. Oh, mais comme elle est stylée et on met l'enseigne au milieu. Mais comme ça va être trop stylé. J'adore. J'adore la boîte de nuit qu'on est en train de faire. Ah, ça va être trop stylé de ouf. Alors attendez parce qu'il nous faut une enseigne. Oh ça c'est, ouais ça c'est des teintes au spa normalement. Est-ce que ça, ça peut faire enseigne ce truc là si je l'agrandis? Oh, ça peut peut-être faire une enseigne de boîte de nuit ou pas, ça vous aimez? Ça non, c'est de la nourriture, ça. Normalement, c'est de la bouffe, ça, au restaurant. Mais après, ça peut faire enseigne, hein. Ça peut faire enseigne, ça aussi. Ah Eh Qu'est-ce qu'on en pense Coucou là. Ouais, un néon, c'est mieux, vous avez raison, un néon, c'est mieux. Donc, il y a ce néon, vous savez quoi, je vais vous montrer un peu tous les néons qu'on a. Et comme ça, vous allez euh, voter, d'accord Donc, pour l'instant, c'est 64% qui parlent des fenêtres teintées. Donc, je pense qu'on va partir sur les fenêtres teintées. Elle va être trop, trop stylée, notre, euh, notre boîte de nuit. Alors là, franchement, je, je kiffe ce qu'on est en train de faire. C'est la première fois que je fais une boîte de nuit, hein. je, je n'ai jamais fait. Dans les Sims, ce sera la première boîte de nuit, ce sera un terrain. Euh, 30 par 20, donc ça pourra se mettre sur pas mal d'autres euh, mondes si jamais vous voulez. Après, bon, c'est fait pour Windenburg, mais... Euh, Windenburg, c'est fait pour... Euh, ici, euh, comment ça s'appelle Willow Creek, mais euh, ça, va être... oh, ça va être trop stylé. Oh en, vrai, là, en vrai, là, je suis vachement fière de ce que je suis en train de faire. <laughs> je suis contente. Je, je sais pas, je me laisse porter par mon imagination et c'est sympa. Alors, je vais vous montrer plein de, plein de néons, hein. Il faut de l'intimité. L'intimité c'est à l'étage. Quand tu danses, t'as pas forcément besoin d'intimité. L'intimité c'est pour le côté un peu bar et tout ce qui est à l'étage. Et là, donc là niveau toilettes hommes/femmes, c'est ici. J'ai pas encore mis de porte et tout, hein. Mais là, tu vois en fait ici, ils vont être dans une intimité parce que les fenêtres sont très très hautes. Personne ne va les voir en fait. Donc là ici, ça va être intime. Ici encore plus. Et ici. Aussi, ça va être intime bon c'est un peu devant les toilettes mais euh, ça va être un coin un peu intime et puis là après il y a euh, la zone bar comme ça ici donc là il y aura je pense en vrai il y aura une ouverture euh, je sais pas on va faire une arche ou des colonnes on va faire un truc on va faire un truc sympa pour aller dans la zone bar je pense hum, pour l'instant je vais me mettre je vais me mettre ça pour l'instant jusqu'on qu'on se dise ah je sais pas ce serait bien quand même que ça se sépare ce serait pas mal. Euh, attendez, je vais mettre en blanc pour l'instant. Là, c'est la zone bar normalement. Ouais, mais c'est bien qu'il y ait des murs. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est peut-être juste qu'on va détruire deux murs, tu vois, pour aller dans la zone bar. Peut-être que ça va être comme ça. Ah, et peut-être qu'au final, on peut se mettre ces fenêtres là ici pour aller dans la zone bar. Ah, oh, ça peut être sympa. Comme ça, tu vois la zone barre. Euh... Non, attendez, parce que je... là, je vais un peu trop loin. On s'en fout. On n'est pas encore sur l'intérieur pour l'instant. <laughs> Merci beaucoup, Émilie, pour être là depuis deux ans. Coucou, conju. Coucou, ma conju, déjà deux ans. Toujours un plaisir d'être là. Merci. Merci pour ton soutien. Deux ans que tu me suis. Pourquoi pas la porte ouverte du kit Oh, pétard, t'as raison. T'as raison. La porte du kit industriel. Mais t'as trop raison. Attends. Bon, là on est reparti sur l'intérieur, mais avec le kit industriel, est-ce que je l'ai là Parce que j'ai Orange, comme ça, hein, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. J'ai cette ouverture-là. Après, une ouverture un peu brique, ça peut être stylé aussi. Oh, j'ai ça. Ah, c'est ce qui vient avec le kit euh, médiéval. Ouais, mais non, ça, pas du tout. J'ai ça, mais non. sais pas en, deux, en hauteur 2 il n'y a pas peut-être qu'il n'y a qu'en hauteur 1 ah oh, c'est dommage industriel alors il y a cette porte là mais ça c'est pas industriel ça c'est industriel c'est ça ah oui ça peut être stylé en vrai ça peut être stylé hum... ouais comme ça en vrai ça peut être sympa hein. oui si si ça peut être chouette as raison attendez parce que on était sur l'extérieur et sur l'enseigne déjà donc on a cette... En vrai, cette enseigne-là, elle est pas mal. Hein. Franchement, elle est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme enseigne mmh, Avec des néons. Oh Alors ça, c'est stylé, mais il n'y a pas de néons. Alors, bon, ça, il y a des néons, mais c'est bizarre. Ça, c'est des enseignes de bouffe. Ça, c'est une enseigne de recherche. Oh waouh Oh Non mais trop bien cette enseigne-là. Mmh... Ça, c'est une enseigne. Ouais, mais bof. Celle-là, c'est une enseigne, mais t'as l'impression que c'est de la nourriture. Oh. Ah, ça, c'est une enseigne. Oh, oui. On a en jaune, on a en bleu. Alors, de nuit, est-ce que ça... Ah oui, elle est illuminée de nuit. Oh, en vrai. Attendez, je mets celle-là là-bas. Si je la réduis, est-ce que ça passe ou pas ah, faut encore plus la réduire. Quoique, si ça rentre dans les plantes, ça peut le faire, non Est-ce qu'on n'aime pas bien cette enseigne En plus, c'est une enseigne du jeu de base. C'est pas dans le luxe dans le désert Peut-être, Eva, on regardera. Non. Euh, ah, dimanche 7 avril Euh. Oui, je crois. Oui, je crois que dimanche 7 avril, je live. On est d'accord que celle-là, on kiffe Ouais, bah bon, on prend ça. Oh, ça rend trop bien. Aïe aïe aïe, aucun okay, n'a trouvé notre enseigne. Nickel. Franchement, là, euh, c'est pas mal. Donc, on a les fenêtres, on a ce qu'on veut pour l'extérieur. J'aimerais bien qu'on puisse faire des parterres de plantes. Ça pourrait être chouette. Alors, pour délimiter les parterres de plantes, on va aller dans les clôtures. Euh, donc, on a cette clôture-là qui vient avec le jeu de base, qui euh, pourrait faire l'affaire. Euh, imaginons par exemple comme ça. On... Je sais pas. Et après, je voulais faire en fait aller jusque là-bas, comme ça. Donc, soit on a cette version-là de clôture. Après, il y a aussi une autre couleur. On peut mettre en. Attends, on peut mettre en boisé. On a en rouge. Est-ce que le rouge il va avec les briques Non, il va pas avec les briques. On a le bois. Bon, non. En gros, il y a que le blanc, quoi. Ou alors il y a celles qui viennent avec au travail de clôture qui sont. Euh... C'est même pas des clôtures là quand même. C'est vraiment un dessin au sol, quoi. Regardez. C'est vraiment en fait une limite au sol. <laughs> Je sais pas. Ah non mais sinon on a ça Ça, c'est trop bien, vrai C'est du jeu de base en plus C'est pas trop bien Pour euh, délimiter les plantes Et on le met en rouge. Rouge euh, cuivre un peu. Ah si ça va bien. Ah si ça va bien rendre. Là, quoi que. Avec des plantes, ça va rendre mieux, non Mais si, mais si, mais si, ça va bien rendre. Si, ça va le faire. Ça va le faire. Vous, ok, vous validez l'enseigne. Bah ça, c'est déjà bien. Alors j'enlève le sondage parce qu'on a terminé pour ça. Tu peux la rétrécir, rétrécir quoi Encore l'enseigne ah, je trouve qu'elle là, elle est bien, parce qu'elle déborde un peu sur les plantes, c'est stylé, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. J'avais jamais vu ça. Mais vous voyez ces, ces trucs-là là, là euh, Je les ai déjà vus. Il euh... n'y a pas un truc bizarre là sur le sol, mais si, il y a un truc bizarre sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé sur le sol Ouais, oh, c'est trop louche. Euh... Donc, attendez, je vais les remettre. Alors, je me dis que ça peut être chouette, mais peut-être pas. Hein. Peut-être peut aussi que je me trompe. Hein. C'est fort probable que je me trompe. Euh... Hop, 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 hop. En vrai, ça fait un peu ancien alors qu'on fait quelque chose de très moderne. En fait, l'idée c'est qu'à l'intérieur, on va mettre des plantes, euh, un chemin de, de terre. En fait, on va, on va, on va dessiner de la, de la terre. Alors bon, ça peut être par exemple comme ça, vous voyez. Et après, on va mettre des plantes un petit peu de partout. Euh, je pense que je mettrais cette terre-là plutôt. Ouais. Hop là, hop là. Et en fait, je veux vous faire un joli parterre, mais avec ces trucs-là, non, ça va peut-être pas. Un... Je pense que c'était mieux ceux d'avant, non Il y a toujours un mot interdit. Tu si sais, je dois y aller. Bonne journée. Bonne journée, Mathilde on en live encore 10 minutes dix minutes de live sinon je remets ça en blanc ça peut le faire attendez que je puisse bien caler de partout comme ça on reste sur un petit côté un peu moderne hop hop et là je crois que j'ai oublié un petit bout ok parfait alors pourquoi ça a fait ça ici voilà très bien donc je remets notre terre et après on va mettre des plantes à l'intérieur. Comme ça, ça va être trop joli. Vous allez voir, ça va être chouette. Franchement, on est en train de faire un extérieur Kali. Euh, Conju euh, architecte. Hein. Coucou Adèle, comment tu vas On fait quoi Alors, les gens vont te répondre, mais on est sur la réno des mondes. Top chrono en 10 minutes pour faire la boîte de nuit. Alors, <laughs> finir la boîte de nuit, je pense pas. Peut-être l'extérieur et toutes les plantes, je peux essayer en vrai. Il y a moyen de moyenner. Mais alors, finir la, bête de nuit, la boîte de nuit, il ne faut pas pousser mes maîtresses martises. <laughs> ok. Hop, 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 hop. Donc, il faudrait qu'on ait des arbres aussi. Donc là, c'est ce côté-là. Et là, je voulais le faire de partout aussi. Alors attendez, je vais le faire. Comme ça, je le fais tout de suite. Euh, donc, c'était ça en forme fin blanche. Je pose et euh, est-ce que je vais jusqu'au bout ici en vrai? Euh, je peux aller jusque là? Moi, hein. ouais, si, ah, par contre, là je peux pas, mais je fermerai comme ça. Ça passe, ouais, ça passe. Hop, hop, hop et hop, on va mettre de la terre de partout. Euh, Est-ce que je ah ouais là oui il faut que je ferme aussi là comme ça alors par contre je te détruis le sol voilà et je mets de la terre vous aimez bien ah bah ça me fait plaisir les smarties c'est bon finesse vous savez que j'ai pas mangé de smarties depuis euh, mon enfance <laughs> donc euh, je sais même plus quel goût ça c'est juste du chocolat non c'est grave beau mais ça fait pas trop boîte de nuit je trouve bah pour l'instant non, ça va être l'intérieur. Après une boîte de nuit, euh, franchement, euh, Pff, si en vrai, ça peut le faire, ça. on verra. C'est l'intérieur le but, hein. Le but c'est l'intérieur. Je sais pas pour toi ce que c'est une boîte de nuit, sachant que moi j'y suis jamais vraiment... Allez. Et quand tu vois la boîte de nuit d'avant des Sims, je pense que là ça fait plus boîte de nuit que ce que c'était avant au moins. <laughs> Grâce à toi, je dis tout le temps pousser mes dans les Smarties, mais j'ai toujours l'image d'une mémé qu'on pousse dans une piscine de Smarties. Mais tu sais, en vrai, elle doit kiffer la mémé, hein. <laughs> Franchement, elle doit kiffer de ouf. Tomber dans des Smarties, ça va, c'est moins pire que les orties, tu vois. Mais je dis ça depuis que je suis enfant, en fait, parce que quand j'étais petite, quand j'étais à l'école maternelle, je m'en souviens, à chaque fois, il y avait les petites boîtes de Smarties, là, c'était des rectangles. Et euh, mes parents, bah, ils m'en achetaient tout le temps, et j'en avais tout le temps à, à la sortie de l'école. Je sais pas pourquoi, c'est à cette même période que j'ai appris l'existence du terme mémé dans les, les orties. Et en fait, bah, j'ai transformé ça en smartise. Et depuis, c'est resté. Comment c'est possible ça Pas de smartise, mais conju enfin. <laughs> ok, Ultra violette, elle valide, elle dit que c'est stylé. Alors, est-ce qu'on va mettre des arbres Là-bas, ils ont des arbres, bois du jeu de base. Euh, je pense qu'il faudrait quand même que là, je mette uniquement le jeu de base en termes d'arbres et de plantes au moins pour l'extérieur, pour que ça colle à, à l'environnement, voyez. Donc, là, on peut peut-être se mettre un arbre ici. Ah ouais, non, mais grave. Oh, mais trop bien. Oui, ici, un arbre, ça passe. Parce qu'en plus, il y a un peu plus de terre. Là, non, je pense pas si je remets... Non, je ne vais pas remettre un arbre ici. Quoique, en vrai, ça peut le faire. Hein. Si, c'est envisageable. C'est envisageable. Si, ah ouais, si, pourquoi pas. On peut le mettre aussi là-bas. Voilà. Alors, par contre, je vais le tourner pour qu'il rentre... Oh putain, j'arrive pas à le tourner. Ça, c'est relou quand on n'arrive pas à tourner les arbres. Pour que ça rentre pas. Voilà, là, comme ça, il rentre pas dans le mur. Parfait. Donc comme ça, il y a un petit peu déjà de végétation en hauteur. Maintenant, on va se concentrer un petit peu donc sur les buissons, sur les parterres de fleurs. Donc là, je suis qu'avec le jeu de base. Alors il y a cette haie là. Oh bah en vrai, je l'ai jamais mis cette haie. Après, elle est peut-être pas, Pff, elle est pas incroyable, mais en vrai, elle est mimes quand même, je trouve. Je sais pas, vous aimez bien cette haie vous hum, Non, ça c'est un petit arbre. Des plantes comme ça par terre, ça peut être chouette. Il y a ces arbustes là. Ces plantes, elles font moins jolies. On a pas beaucoup de plantes hein, avec le jeu de base, quand même. Je suis en train de me rendre compte. Après, il faut peut-être que j'aille dans le débogage du jeu de base. Ça peut être envisageable. Oh là là, vous entendez le boucan de mes voisins Dieu. Après, j'ai peut-être les buissons de fleurs. Ouais, les buissons de fleurs, par contre, ça bah, c'est le jeu de base. Hein. Ça, c'est bien. Ici, il va forcément falloir que je me mette des petits buissons de fleurs. Alors, des petites fleurs, je sais pas trop. Par contre, je crois que j'ai ça. Ah oui, ça, c'est des petits parterres de. Oula Des petits parterres de fleurs rectangulaires. Putain, mais je les ai jamais mis, ces trucs-là, Vous avez déjà mis ces parterres de fleurs-là Ah, mais en vrai, c'est Mims. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est Mims. Non, vous aimez pas trop Ok, ok, ok. Alors, des palmiers, il n'y a pas de palmiers ici, sur cette map-là. C'est pas. Comme on n'est pas à Oasis Springs, il n'y a pas vraiment de, de palmiers. Donc, c'est pas. Ça colle pas trop, quoi. Ça, ça. Ouais, non. Après, je pense que je vais mettre le débogage. Donc attendez. Euh, contenu, débogage. Voilà, comme ça on va voir des trucs. Alors, avec le débogage, qu'est-ce que j'ai J'ai de la neige. <laughs> non, mais là dans les buissons, j'ai peut-être plus de choses avec le débogage. Ah, j'ai ça qui peut être chouette en vrai. Si je le réduisais. Et que je le mettais là. Oh oui, Ouh, ça peut être mime ça. Ok. Ah le débogage et la plante vache. Il n'y <laughs> a pas tant de débogage que ça euh, en plantes. Donc là j'ai une petite zone de plantes. Ici après ça peut être euh, ça peut être peut-être une petite haie. Ou alors juste des plantes comme ça euh, posées. Ah je sais pas trop là ce qu'on peut mettre sur cette long... grande longueur là. Déjà je vais, je vais mettre des plantes. Euh... En plus il faut que j'arrête le live. Je vais mettre des plantes à côté des arbres déjà. C'est déjà bien. <laughs> Euh, J'ai mis quoi J'ai mis ce buisson là Ouais là on peut le caler là Il y a celui-ci, oh il est gros ce buisson là Oh ça me gratte l'œil Après sinon je peux mettre des haies aussi Oh ça fait peut-être gros Ça fait peut-être gros les haies là non Oh quoi que peut pas, pas si gros que ça hein Ça peut aussi être une éventualité Mais ça là Faut que je le trouve ça dans le débogage Je sais pas où c'est C'est pas ici en tout cas il y a ces arbres. -ci. Ah ouais, les cerisiers, les arbres fruitiers. Ah, c'est sympa ça. C'est avec le débogage ça. Des boguches, ça. Okay. Alors attendez, j'en étais où déjà J'en étais, j'avais mis euh, ce petit buisson blanc. Je vais en remettre un là. Et on peut se caler. Euh... Ah, il y a ces petites herbes là. Ça, c'est un carré d'herbe. Oh, c'est presque un carré d'herbe. Il est rectangle. Là, c'est le carré d'herbe. Ah oui, c'est un vrai carré d'herbe pile poil. Après, on peut aussi remplir toute la zone d'un carré d'herbe. Hein. C'est aussi possible. C'est envisageable. Et... Ah, il y a ces petites herbes-là aussi. Qui peuvent être sympas. Euh, non, on avait dit ça. Voilà. Et donc là, j'aimerais bien rajouter des petites fleurs. Ok. Donc, on a fait les zones avec les arbustes. Le ray, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Il y a ces carrés d'herbe là en vrai qui sont mimes. Hein. Après, est-ce que ça fait pas un peu too much, tu vois Est-ce que finalement, en fait, on mettrait pas juste du gazon Soit on met de l'herbe, soit on met du gazon. Je sais pas. En plus, ça déborde un peu, c'est un peu embêtant, je trouve. Mais ça fait pas non plus moche. Vous en pensez quoi, vous Là, sinon, on a ce carré d'herbe là un peu plus plat. Ça fait plus taillé. Celui-ci. Regardez, il fait un petit peu plus euh, taillé. Ah oh, si, ça peut rendre bien. Donc là, j'ai perdu mon temps à mettre de la terre de partout pour rien en fait. <laughs> c'est ça que t'es en train de me dire quoi. Ah si, si en vrai c'est chouette. On est d'accord hein Il est 30 mais vas-y, je finis juste de mettre les carrés d'herbe. Enfin, dites moi si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, euh, je ne mets pas. <laughs> c'est gentil euh, Jessica. Ça va en vrai, c'est joli. Ouais, ça passe en vrai. Et au moins ça meuble cet endroit-là. Je vais mettre quelques, petits, quelques petites fleurs quand même. En fait, je vais mettre de l'herbe de partout. Et après, il faudra que je mette quelques fleurs à l'intérieur. Et là, on a presque totalement fini l'extérieur du bâtiment. Et on est parti de zéro. On a rasé le terrain. J'ai juste laissé mon imagination nous conduire. Et je vous ai demandé un petit peu votre avis. C'est chouette, là, ce petit, ce petit live Rénovation des mondes. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, bon, j'ai bien aimé. Alors, est-ce que là... Je le mets aussi, ouais bah si, pour que ce soit plus réaliste, euh, vaut mieux quoi. J'ai peur que ça déborde. Non, voilà bon, ça va. Après sinon il y a l'angle. Euh, cet angle-là, voilà. Hop. Voilà, très bien Oh, perfect Et donc là, on est parti. Hop J'en mets deux partout. Coucou Louis j'ai trop aimé conju merci à toi merci carla d'avoir été là qu'est ce que vous verrez vous comme plante en vrai je peux je me dis hein, je peux reprendre cette petite plante là tu vois et la mettre euh, genre tous les deux par exemple oh ça peut être joli non oh ça c'est mignon mais ça n'a rien à voir et peut-être on peut alterner aussi avec les petites plantes violettes c'est bien symétrique. Moi, j'aime bien. Quand les constructions sont symétriques, je suis très contente. Je ne sais pas pourquoi, il fallait juste que j'appuie sur Shift. J'ai un peu occulté ce, ce truc-là. Oui, j'ai raté le placement. Ne vous inquiétez pas, je vais le déplacer. Hop, hop, voilà. Hop, 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 hop. Yeah, perfect Et donc là, je me disais, on peut se prendre les buissons violets. Et alterner entre buissons violets et. Ah ouais! Oh ah si, c'est trop bien! Ah si! Ah si, 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 si! Si, ça va trop bien rendre! Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi j'aime bien! Ah, j'aime bien! J'aime beaucoup même! J'aime beaucoup ce concept de rénovation des mondes! Et eh bah, ben, je suis contente que ça te plaise, Manuela! Ouh là! Par contre, la caméra là qui en fait casse la tête! Vous aimez? Ouais! Si, en vrai, c'est bien. J'aime bien, moi. Hop, hop, hop. Et... Hop. Et... Ah, j'ai décalé... Euh... Ah, il faut que ça aille là. Voilà Et ici, où c'est vide... Alors, attendez. Hop, hop, hop. Oups. Non, je là. Voilà. Euh, là, par contre, on va se mettre autre chose. En termes de plantes. Hum... On a des petits buissons. C'est des petits buissons de rose, ça Ouais. Non. Qu'est-ce qu'on peut se mettre là comme petite plante Ça, c'est super beau en plus. Ça, c'est très beau quand même. En vrai, j'ai trop envie. Vas-y. Juste là. Voilà. Comme ça, il y a un peu plus d'intimité. Ça fait comme un effet un peu de haie, là. Ah ouais Mais je les mettrais peut-être d'une autre couleur. Alors, on a quoi On a jaune, on a avec du bleu, on a rose, on a rose, bleu, violet. Vas-y, rose, bleu, violet. Parce que ça alterne avec le blanc, là. C'est pas mal. Ah, je suis contente. Je trouve que ça rend bien. Ou alors, limite, tu sais, on peut se mettre un truc comme ça aussi. Je suis en train de me rendre compte. C'est possible. Après, on peut. Soit on se fait un effet de et. Et donc, ça donne plus de d'intimité. On peut peut-être mettre une et, non Qu'est-ce que vous en pensez j'avais dit que j'arrêtais le live, mais je suis trop prise dedans, donc euh, j'aime trop. Alors, la haie, par contre... Ouais, je ne peux la mettre que de ce côté-là. On va faire comme ça. La haie ou pas Non, les fleurs, c'est mieux. Ah, vous préférez les fleurs que la haie Vous préférez les fleurs que la haie pour euh, l'intimité okay. ok, 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 je respecte. Parce qu'après, vous savez, il y avait aussi ça, là. Euh, ça aurait été bien qu'on puisse les mettre autre part que sur les murs. Ça peut être sympa, ça aussi. Ça c'est oh, beau, ça. <laughs> J'ai envie de mettre des... des petites plantes grimpantes un peu. Ouais, pourquoi pas. Blanche. Donc vous préférez les fleurs que la haie La haie c'est mieux. Moi j'aime les deux. Bah je vous fais un petit sondage. Allez, on se dépêche là. <laughs> fleurs ou et hop fleurs oui. je vous laisse voter donc la et elle est là juste là et les fleurs c'était lesquelles déjà c'était celle là voilà donc je vous laisse voter en attendant moi je vais placer les trucs ici donc euh, là bah, ça va être comme ça. Alors, ici, ça va être un peu relou par contre. <laughs> Comment je vais faire Ah, bah oui, bah non, mais en fait, je me suis décalée, c'est pour ça. Hop, hop. Alors, là, c'est bon. Donc, après, ce sera là. Ok. Là, c'est là. Et donc, ça. Je vous laisse voter, je vous laisse voter pour le sondage. Oh, on aura fait un extérieur trop joli. Je suis trop fière de nous là, franchement. Je crois que c'est là. Donc là, je reprends ma fleur violette. Je pars de là-bas. Dis-moi que je les, je les ai tous bien placés, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Oui. Tout est bien placé. Ouh Trop bien. Ça, ça fait peut-être un peu redondant quand même, là. <laughs> je sais pas, en fait. Oh non Ok, vous êtes Team Fleur. Ou alors, il faut que j'alterne par trois. Est-ce que ça fait redondant ou pas Ouais, mais bon, on verra, on verra plus tard. On verra quand je reviendrai. Quand je reviendrai, d'accord Au prochain live. On verra au prochain live. Voilà. Et on avait dit qu'on faisait la couleur comme ça. Voilà. Est-ce que vous dites que ça fait redondant un peu Non Non, c'est bien. Ah, c'est bien. Bah écoutez. Donc là, pour l'instant, l'extérieur de notre boîte de nuit ressemble à ça. Franchement, c'est C'est Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'on a fait un truc très sympa pour l'instant. Je kiffe. Donc, oups. Je vais bien sûr. Alors, ça s'appelait le velours bleu. Oui. Bon, ça, je sais pas. On changera sûrement le titre. Je vais bien sûr euh, sauvegarder pour l'instant. Alors, même si j'ai aucune exigence, j'espère que ça marche quand même pour l'instant. Oui, je pense. Oh, on est déjà à 44 000. Ah ouais, on a fait un extérieur de ouf, hein. Donc c'est bon. Allez, je vérifie. J'ai bien re-sauvegardé qu'on est sûr de tout ce qu'on a fait et je vais me mettre en full. Hop là, vers les talks pour vous parler. Oui, c'est bien. Ah, bah, je suis contente alors si ça vous a plu. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci pour tout votre soutien. On est actuellement. On est. 166 membres sur 200. Donc, on s'en rapproche. On s'en rapproche. C'est trop chouette. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont devenues membres. Merci, merci. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. Rendez-vous demain à 17h pour l'épisode 25 de notre Legacy Challenge. Vous allez voir le titre, va un petit peu vous choquer. Je peux pas vous spoiler le titre. Par contre, pour les membres, et là il y en a beaucoup, il y en a quand même 166, je vais vous partager la miniature. Juste après live, je vais dans, vous allez pouvoir aller dans l'onglet communauté, la... communauté de la chaîne et je vais vous partager la miniature en avant-première de la vidéo de demain. Voilà. Au bas. Et bah ben voilà, Saidine qui vient. Et tu fais ta petite apparition, mon cœur, je t'avais même pas entendu. <laughs> bah ben voilà, il faut que j'aille nourrir mon chat. Non, par contre, je vous raconte ça, je suis un peu au bout de ma vie. Euh, je l'ai pesé là aujourd'hui. Et euh, mon veto, il va m'engueuler. Pourtant, je lui donne... Euh... Bon, il y a moyen qu'il y ait des jours où c'est passé à 18 grammes. Mais normalement, je lui donne 15 grammes à chaque repas. Donc 15 grammes x 3. Et elle est à 5 kg 3. <laughs> J'ai envie de pleurer. Normalement, mon veto m'avait dit qu'il fallait qu'elle fasse 4,7 kg, 4,8 kg pour être genre à son top du top. Mais comme elle ne sort pas dehors, forcément, bah elle ne peut pas réussir à être à ce poids-là, on ne va pas se le cacher, surtout dans un appartement. Donc, mon veto après m'a dit ben, 5 kg, ça va, c'est bien. quoi. Le problème, c'est que là, elle est à 5,3 kg. Elle a pris 300 grammes depuis, je l'ai pas pesée depuis euh, 6 mois environ. T'arrêtes de tout faire tomber, la chérie Mais elle crève la dalle, c'est dingue ça, moi ça me fend le cœur parce qu'elle vient, elle se frotte à moi, elle veut des... Oui, alors vas-y, passe devant la caméra. Elle veut des... de la nourriture, quoi. Et le problème, c'est que 15 grammes trois fois par jour, ben, c'est pas assez pour bébé. Ouh oui, peux... oh, mon cœur. Mon croc, oui. Mais le problème, c'est que moi, je suis les directives de mon veto, quoi. <laughs> non mais... Vas-y, allez. Donc voilà, euh, je voulais juste vous dire ça pour, votre... pour mon chat, je suis un peu triste. Mais c'est bon, tu fais tomber tout, 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 tout. Stop <laughs> Elle veut que je la brosse avec mon peigne. Tu veux que je te brosse Moment ASMR. Elle adore. Alors ça, regardez là, elle a que toute gonflée. Oui Mais tu perds plein de poils. Voilà. Ah Ça coince <rire> <rire> Viens, viens là, bébé, monte ta tête. Avec tous tes poils là. Moi, crotte, Tu m'a croque, Boubou. Okay. Okay. Attends, ça te, met, ça, te met des, ça te met des poils dans le nez. Donc oui, rendez-vous demain à 17h. Voilà mes, mes petits abonnés d'amour. Je vais vous partager la miniature. Euh... Putain, j'en peux plus. Arrête de tout faire tomber. Je vais vous partager la miniature de la vidéo de demain. Merci beaucoup d'avoir été là pendant ce <laughs> Je vous fais des gros bisous. On se retrouve en live mardi prochain à 18h. Voilà, donc j'espère que vous serez là pour finir le jeu d'horreur. Si vous n'avez pas vu, il y a les deux rediffusions qui sont disponibles pour le jeu d'horreur. Ça s'appelle The Devil In Me, c'est un Dark Pictures. Merci beaucoup pour, euh, pour ce live, merci pour les dons, merci pour les subs. Je vous fais des gros bisous. Euh, passez une bonne soirée. Au revoir, bisous, bisous, bisous. <music>